Ah, putain. Bienvenue à tous. Voilà, aujourd'hui on va parler un petit peu des crashs, mais notamment un crash qui m'est arrivé récemment avec mon Avata 2. Donc c'est le premier vrai crash, on va dire, particulièrement difficile puisque le drone est tombé dans l'eau. Alors c'était pas de l'eau salée, donc c'est déjà ça, mais la difficulté c'était de localiser le drone. Donc ça m'a pris environ 2 heures, voire un petit peu plus, pour le retrouver. On va regarder ça ensemble. Je vais vous montrer, voilà, là on a la vidéo. À partir du moment que je me suis, voilà, on voit un peu là à quoi ressemble ce torrent là. On va avancer un petit peu. Donc là tout s'est relativement bien passé. La météo n'était pas top. Voilà, on voit le torrent ici. Donc vraiment, c'était une langue d'eau, hein. Il n'y a pas grand-chose. Mais suffisamment. Et le truc, en fait, moi, le problème que j'ai eu, je vais vous montrer un peu plus loin. On va avancer. Donc là, je vous montre le rush du masque. Tout simplement parce que le rush en 4K n'a pas été finalisé, puisqu'il s'est terminé dans l'eau. Donc le fichier est endommagé. Et bon, de toute façon, je ne vais pas payer un logiciel à 80 balles pour une séquence dont j'ai pas forcément la nécessité. Après, si vous avez des combines, moi j'ai essayé différentes combines, ça n'a pas fonctionné pour récupérer, mais bon, ça c'est encore un sujet à part. Voilà, donc c'est à peu près ici que j'ai crashé. Et pour ça, on va avancer encore un peu. C'est plutôt pas mal, hein. Il y a quand même quelques rayons de soleil. J'ai mis une lentille ND, une 16. Voilà. Donc là, je vais suivre dans un premier temps ce chemin. Alors c'est vraiment un crash vraiment banal, hein. J'ai pris, vous allez voir, j'ai pris une branche. Il y a un petit truc quand même que je vais souligner par rapport au masque, au rendu du masque, et qui a été quand même assez problématique pour moi. Voilà, là, donc là je m'engage sur ce chemin-là. Un petit chemin forestier de montagne. Donc là, jusque-là, pas de problème. J'aurais préféré crasher ici, hein, je vais te dire franchement. J'allais relativement doucement, hein, 30 km/h. Enfin, je ne veux pas dire que j'ai été imprudent sur ce coup. Et là, je vais entamer un virage sur la droite. Et là, tac. Alors déjà, je vais me prendre cette première branche là, qui va déstabiliser le drone. Et ensuite, une fois que j'ai tapé cette première branche, voilà, tac, on voit, et ben le drone est déséquilibré, forcément. Donc là, à ce moment-là, je ne sais pas si j'aurais appuyé sur la touche pause de la télécommande, si vraiment ça aurait pu faire quelque chose. Peut-être, mais j'ai pas eu ce réflexe. Et moi, je vais venir taper ici, dans la branche là. Et on remarque que la rivière, elle est juste là. Enfin, la rivière. Le torrent. Hein, parce que là, c'est vraiment un torrent. Heureusement, hein, c'est pas une grosse rivière. C'est déjà ça, on va dire. Toc. Alors, voilà. Moi, le masque, quand j'ai fait sécurité. Visualiser la dernière séquence, il m'affichait comme image de fin cette image-là. Et dans le masque, franchement, dans le masque, j'avais du mal à saisir. Donc là,
Juste avant, il y avait un petit retour, juste avant, oui, il y a un petit retour en arrière. On a l'impression que la branche, elle le propulse un peu en arrière. Et bah, j'étais pas convaincu qu'il soit tombé dans l'eau. Donc j'ai cherché autour des arbres, voilà. Et puis là, dans cette mare, là, cette partie, on va dire cette partie calme du torrent, là, il n'y avait rien. Et c'était bien clair, donc je me suis dit, s'il est tombé là, forcément, j'aurais vu du premier coup. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il n'est pas tombé là. Il est tombé, il a rebondi, je ne sais pas comment, et il était se mettre sous une pierre par là. Alors ça, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, erreur IMU. Donc bon, le drone, là, il a perdu ses repères, de toute façon. J'étais en mode manuel. J'étais pas trop. Voilà. On voit, on remarque, j'étais à 10. Je suis arrivé à peu près à 20 km/h. Bon, la hauteur, elle est fausse, bien sûr. Là, là j'étais quoi? Même pas 2 mètres du sol. Tac. Voilà, c'est là où on observe le petit retour en arrière. Voilà. C'est à peu près là que la dernière image que le masque m'affichait, c'était plutôt celle-ci, puisque j'avais eu ce petit retour et cette langue d'eau. Mais le problème, c'est qu'on a un grand angle. Donc, percevoir les distances avec un objectif grand angle, c'est assez compliqué. Mais là, là où je ne suis pas content avec le masque DJI, c'est qu'il m'a arrêté là. Quoi que je fasse, enfin, je l'ai répété, j'ai répété. Hein. Je peux vous dire en 2 heures, je l'ai répété. Hein. Bon, l'avantage, c'est que le masque, il a une batterie qui tient la durée. Le truc, c'est que il m'a arrêté sur cette image-là. Et cette image-là me laissait entendre que le drone a été happé par une branche et serait retombé vers l'intérieur. On a ce petit retour en arrière. On a ce petit retour en arrière qu'on peut observer. Alors attendez. Je vais remettre. Voilà, on a eu ce petit retour. Et là, après, moi, je ne l'ai pas, cette image-là dans le masque. Elle n'apparaît pas. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne m'affiche pas les images suivantes. Mais en tout cas, là, là, je l'ai parce que sur l'ordinateur, avec mon lecteur VLC, j'arrive à le visualiser. Mais sur le masque, je m'arrêtais avant. Je m'arrêtais avant. Tac, je m'arrêtais même un petit peu avant ça, l'image que je vous ai montée précédemment. Et par contre, bah, quand j'observe maintenant sur l'ordinateur, qu'est-ce que je remarque? Que le drone replonge en avant. Alors, il n'est pas tombé sur cette mare-là, on est bien d'accord. Il a été tapé, je pense, sur la pierre et tout, même pas sur la pierre, donc il est tombé directement dans l'eau. Voilà. Et si j'avais eu cette image-là, j'aurais pas passé 2 heures à le chercher dans les bois. Quelque chose, un indice m'a mis la puce à l'oreille, c'est le fait que je pouvais plus le capter. Alors sur le coup, je me suis dit, c'est bizarre parce que la batterie, elle s'éjecte pas. Donc j'aurais dû théoriquement le retrouver et le faire sonner avec ses ESC. Voilà, donc là on sait clairement qu'il est tombé dans l'eau. Maintenant, on va regarder ensemble qu'est-ce qui est devenu l'avatar. Et ses dégâts éventuels. Bon voilà, le drone il a pris l'eau. Il s'était déboîté là, on a juste appuyé un coup et ça s'est remis en place. Il n'y a pas l'air de casse. On va prévoir s'il fonctionne, mais déjà on va le sécher. On va pas céder à la tentation de remettre en route. On va le sécher. Tout doucement. Voilà, le drone est asséché. On va voir ce que ça donne. Ça va être la surprise. Alors voilà, les nouvelles, c'est qu'en fait, j'ai bien séché le drone. Donc je l'ai passé un coup de soufflette. J'ai bien évacué toute l'humidité. Je l'ai laissé sécher plusieurs jours. Donc ben voilà, au bout de 2 jours, j'ai essayé de le remettre en route. Il a redémarré quelques secondes et puis plus rien.
Donc, ben, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai fait marcher l'assurance Care Refresh de DJI, auquel j'avais souscrit. Et c'est là d'ailleurs que je suis bien content de l'avoir souscrit. Et ben voilà, ils m'en ont envoyé un directement. Et puis moi, j'ai retourné le défectueux. Donc voilà, j'ai déjà reçu. Ça m'a coûté pour l'instant 49 euros. Je dis pour l'instant parce que j'ai versé une caution. Enfin, la caution en tout cas n'a pas été encaissée. Elle ne devrait pas être encaissée. Donc j'attends de voir ben, leur décision. Mais normalement, il n'y a pas de raison qu'elle soit débitée. Vraiment pour l'Avata, je pense que cette assurance, c'est pas un luxe. C'est pas excessivement cher. Non, ça m'a coûté une cinquantaine d'euros pour l'année. Là, déjà, c'était clairement amorti. Et je suis prêt à revoler. Voilà. Ben, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poster des commentaires. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Mettez la petite cloche pour les notifications et j'aurai des petits projets de vidéos à venir. Voilà. À très bientôt.